Les parents mirent leurs habits du dimanche et avant de quitter la maison, dirent aux deux petites. On ne vous emmène pas voir votre oncle Alfred parce qu'il pleut trop fort. Et profitez-en pour bien apprendre vos leçons. Je sais déjà, je les ai apprises hier soir. Moi aussi. Alors amusez-vous gentiment et surtout ne laissez entrer personne chez nous. Les parents s'éloignèrent et les petites, le nez au carreau de la fenêtre, les suivirent longtemps du regard. La pluie tombait si serrée qu'elles ne regrettaient presque pas de ne pas aller voir leur oncle Alfred. Elles paraient de jouer au loto. Lorsqu'elles virent le dindon traverser la cour en courant, il se mit à l'abri sous le hangar, secoua ses plumes mouillées et essuya son grand cou dans le duvet de son jabot. C'est un mauvais temps pour les dindons. Et pour les autres bêtes aussi. Heureusement, ça ne dure jamais longtemps. Mais s'il pleuvait pendant 40 jours et 40 nuits, il n'y a pas de raison. Pourquoi veux-tu qu'il pleuve pendant 40 jours et 40 nuits? Bien sûr. Mais je pensais qu'au lieu de jouer au loto, on pourrait peut-être jouer à l'arche de Noé. Marinette trouva l'idée très bonne et pensa que la cuisine ferait un excellent bateau. Quant aux bêtes, les petites ne furent pas en peine pour les trouver. Elles allèrent à l'écurie et à la basse-cour et décidèrent facilement le bœuf, la vache, le cheval, le mouton, le coq, la poule à les suivre dans la cuisine. C'est le déluge. Il va pleuvoir pendant 40 nuits et 40 jours. Si vous ne voulez pas venir dans l'arche, tant pis pour vous. La terre sera couverte par les eaux. Et vous serez noyés. Les grincheux ne se le firent pas dire deux fois et se bousculèrent pour entrer à la cuisine. Pour les poules, il n'eut pas besoin de leur faire peur. Elles voulaient toutes venir jouer. Et Delphine, après en avoir choisi une, fut obligée d'écarter les autres. Vous comprenez, je ne peux prendre qu'une poule. Autrement, ce ne serait pas le jeu. En moins d'un quart d'heure, toutes les bêtes de la ferme furent représentées dans la cuisine. On craignait que le bœuf ne pût passer par la porte à cause de ses grandes cornes. Mais en penchant la tête de côté, il entra très bien, et la vache aussi. L'arche se trouva si pleine qu'il fallut loger sur la table la poule, le coq, la dinde, le dindon et le chat. Il n'y eut pourtant aucun désordre, et les bêtes se montrèrent tout à fait raisonnables. D'ailleurs, elles étaient un peu intimidées d'être dans la cuisine, où sauf le chat et peut-être la poule, elles n'avaient jamais pénétré. Au bout d'un moment, les bêtes commencèrent à prendre peur. Même celles qui savaient que c'était pour jouer en venaient à se demander s'il s'agissait vraiment d'un jeu. En effet, Delphine, assise sur la fenêtre de la cuisine, au poste de commandement, regardait au dehors et annonçait d'une voix anxieuse. Il pleut toujours. Les eaux montent, on ne voit déjà plus le jardin. Le vent est toujours violent. Barre à droite! Marinette, qui était le pilote, tournait la clé de la cuisinière à droite, ce qui faisait fumer un peu. Il pleut encore! L'eau vient d'atteindre les premières branches du pommier. Attention au rocher, barre à gauche! Marinette donna un coup de clé à gauche et la cuisinière fuma moins. Il pleut toujours. On aperçoit encore la cime des plus hauts arbres, mais les eaux montent. C'est fini, on ne voit plus rien. Alors, on entendit un sanglot. C'était le cochon qui ne pouvait plus contenir son chagrin de quitter la ferme. Silence à bord! Je ne veux pas de panique. Prenez modèle sur le chat. Voyez comme il ronronne, lui. Si encore tout ça devait bientôt finir. Il faut compter un peu plus d'un an. Mais nos provisions sont faites. Personne n'aura faim. Soyez tranquille. Le pauvre cochon s'effondra en pleurant tout bas. Il pensait que le voyage serait peut-être beaucoup plus long, que les petites ne l'avaient prévu et que les vivres manqueraient un jour. Comme il était le plus gros, il avait une grande peur d'être mangé. Pendant qu'il se morfondait, une petite poule blanche, toute recroquevillée sous la pluie, était grimpée sur le rebord extérieur de la fenêtre. Elle frappa du bec au carreau et dit à Delphine. Je voudrais bien jouer aussi, moi. Mais pauvre poule blanche, tu vois bien que ce n'est pas possible. Il y a déjà une poule. Surtout que l'arche est pleine. Tout de même, il nous manque un éléphant. La poule blanche pourrait faire l'éléphant. C'est vrai. L'arche aurait besoin d'un éléphant. Je suis bien contente. Mais comment est-ce fait un éléphant? Je n'en ai jamais vu. Les petites essayèrent de lui expliquer ce qu'est un éléphant, mais sans y parvenir. Delphine se souvint alors d'un livre d'images en couleur que son oncle Alfred lui avait donné. Il se trouvait dans la pièce voisine, qui était la chambre des parents. Laissant à Marinette la surveillance de l'arche, Delphine emporta la poule blanche dans la chambre, ouvrit le livre devant elle, à la page où était représenté l'éléphant, et donna encore quelques explications. Je te laisse un moment dans la chambre. Il faut que je retourne dans l'arche. Mais en attendant que je revienne te chercher, regarde bien ton modèle. La petite poule blanche prit son rôle si à cœur qu'elle devint un véritable éléphant, ce qu'elle n'avait pas osé espérer.
La chose arriva si vite qu'elle ne comprit pas tout de suite le changement qui venait de s'opérer. Elle croyait qu'elle était encore une petite poule perchée très haut, tout près du plafond. Enfin, elle prit connaissance de sa trompe, de ses défenses d'ivoire, de ses quatre pieds massifs, de sa peau épaisse et rugueuse qui portait encore quelques plumes blanches. Elle était un peu étonnée, mais très satisfaite. Ce qui lui fit le plus de plaisir, ce fut de posséder d'immenses oreilles. Elle qui n'en avait auparavant pour ainsi dire point. Le cochon qui est si fier des siennes le sera peut-être moins en voyant celle-ci, pensa-t-elle. Heureusement, le temps passe plus vite que je ne l'aurais cru. Silence, cochon! Mes chers amis, comme vous le voyez, vous n'avez pas à regretter d'être venus dans l'arche. Maintenant que le plus dur est fait, nous avons la certitude de retrouver la terre dans une dizaine de mois. Je peux bien vous le dire à présent, mais jusqu'à ces derniers jours, nous avons été souvent en danger de mort. Et c'est grâce au pilote que nous avons pu nous en tirer. C'est grâce au capitaine aussi. Il ne faudrait pas oublier le capitaine. Oh, ça c'est vrai, c'est vrai, le capitaine. Mais sans le capitaine... Vous n'imaginez pas combien votre confiance nous donne de courage. C'est qu'il nous en faut encore. La traversée est loin d'être finie, quoique nos plus gros ennuis soient passés. Mais j'ai voulu vous parler et savoir si vous n'aviez pas de réclamation à faire. Commençons par le chat. N'as-tu rien à demander, chat? Justement, j'aimerais bien avoir un bol de lait. Inscrivez un bol de lait pour le chat. Tandis que Marinette notait sur son carnet la réclamation du chat, l'éléphant entr'ouvrit tout doucement la porte avec sa trompe et jeta un coup d'œil dans l'arche. Ce qu'il aperçut le réjouit et lui a hâte de se mêler au jeu. Voilà. Les petites n'en croyaient pas leurs yeux. Elles doutaient maintenant que l'arche fût un jeu et étaient bien prêtes de croire au déluge. Eh oui, c'est moi. Est-ce que je ne suis pas un bel éléphant? Delphine se retint de courir à la fenêtre, parce qu'elle était tout de même le capitaine, et qu'il ne convenait pas de laisser paraître son affolement. Cependant, les bêtes s'inquiétaient un peu à la vue de l'éléphant qui leur était inconnu. Le cochon se mit à pousser des hurlements qui menaçaient de semer la panique parmi ses compagnons. Delphine prononça sévèrement. Si le cochon ne se tait pas immédiatement, je le fais jeter à la mer. Bon, et maintenant je dois dire que j'ai oublié de vous parler de l'éléphant qui voyage avec nous. Veuillez bien vous serrer encore un peu et lui faire une place dans l'arche. Intimidé par la fermeté du capitaine, le cochon avait aussitôt cessé ses cris. Toutes les bêtes se tassèrent les unes sur les autres afin de laisser le plus de place possible à leur nouveau compagnon de voyage. Mais quand l'éléphant voulut entrer dans la cuisine, il s'aperçut que la porte n'était ni assez haute ni assez large pour lui permettre le passage. Il s'en fallait d'au moins une fois et demie. Je n'ose pas forcer, j'aurais peur d'emporter le mur avec moi. C'est que je suis fort, je suis même très fort. Non, non, ne pensez pas, vous jouerez depuis la chambre. Delphine et Marinette n'avaient pas encore pensé que la porte était trop petite et créait une nouvelle complication qui avait de quoi les effrayer. Si l'éléphant avait pu sortir, les parents auraient été assez surpris de le voir rôder autour de la maison, car cette espèce d'animal n'existait pas au village. Mais enfin, ils n'auraient eu aucune raison de soupçonner les petites. Lendemain, la mère aurait peut-être découvert qu'il lui manquait une petite poule blanche et l'affaire en restait là. Au contraire, quand ils trouveraient un éléphant dans leur chambre, ils n'allaient pas manquer de poser des questions. Il faudrait bien avouer que l'on avait réuni toutes les bêtes dans la cuisine pour jouer à l'arche de Noé. Tu nous avais si bien recommandé de ne laisser entrer personne à la cuisine. Peut-être que l'éléphant redeviendra une petite poule blanche. Après tout, c'est pour jouer qu'il est éléphant. Quand le jeu de l'arche sera fini, il n'aura plus de raison de rester éléphant. Peut-être bien. Alors dépêchons-nous de jouer. Marinette reprit le gouvernail du bateau et Delphine son poste de commandement. La traversée continue. Allons, tant mieux, on va pouvoir jouer. Nous sommes en mer depuis 90 jours. Il n'y a rien à signaler. On dirait pourtant que ça fume. En effet, Marinette était si émue par la présence de l'éléphant qu'elle tournait la clé de la cuisinière sans y penser. 172e jour de mer. Il n'y a rien à signaler. C'est bien joli, mais moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Vous faites l'éléphant et vous attendez que les eaux sortirent. Je crois que vous n'avez pas à vous plaindre. Oh, bon, puisqu'il s'agit d'attendre. 237e jour de mer. Le vent souffle.
de l'eau commence à baisser. Il baisse! Jour de mer. On aperçoit le jardin. Préparons-nous à sortir et en or! Le déluge est fini! Marinette alla ouvrir la porte qui donnait sur la cour. Le cochon, dans sa frayeur d'être mangé par l'éléphant, faillit la renverser, tant il mit de hâte à sortir. Il trouva que le sol n'était pas trop détrempé et fila sous la pluie jusque dans sa soupe. Les autres bêtes quittèrent la cuisine sans bousculade et regagnèrent leur place à l'étable ou à la basse-cour. Seul l'éléphant demeura auprès des deux petites. Il ne paraissait pas pressé de s'en aller. Delphine s'avança vers lui et dit en tapant dans ses mains. Allons, allons, petite poule blanche, allons, le jeu est fini. Il faut retourner au poulailler. Petite poule blanche, petite poule blanche. Ce n'est pas pour vous contrarier, mais je trouve bien plus drôle d'être un éléphant. Les parents furent de retour vers la fin de l'après-midi, très contents d'avoir vu l'oncle Alfred. Leur pèlerine était trempée et la pluie avait pénétré jusque dans leurs sabots. Oh, oh, quel mauvais temps! Eh bien, nous avons bien fait de ne pas vous emmener. Et comment va notre oncle Alfred? On vous le dira tout à l'heure. Mais laissez-nous d'abord aller nous déshabiller dans la chambre. Oh, vos pèlerines sont bien mouillées. Il faudrait peut-être mieux les ôter ici. Je les mettrai à sécher devant la cuisinière. Tiens, c'est une bonne idée. Oui, nous n'y avions pas pensé. Je voudrais bien savoir comment va l'oncle Alfred. Est-ce qu'il a encore son rhumatisme à la jambe? Son rhumatisme ne va pas mal. Mais patientez un moment, le temps de changer nos habits du dimanche contre nos habits des jours et vous saurez tout. Avant de changer d'habits, vous feriez peut-être mieux d'ôter vos sabots. Oui, vous allez porter de la boue partout et salir le plancher de la chambre. C'est une bonne idée. Nous n'y avions pas pensé. Ils revinrent auprès du fourneau et ôtèrent leurs sabots. Mais cela ne demanda pas plus d'une minute. Marinette prononça encore le nom de l'oncle Alfred, mais si bas qu'ils ne l'entendirent même pas. Les petites virent leurs parents se diriger vers la chambre, et la peur leur glaça les joues, le nez et jusqu'aux oreilles. Déjà, ils touchaient le bouton de la porte lorsqu'ils entendirent un sanglot derrière eux. C'était Marinette qui ne pouvait plus retenir ses larmes, tant elle avait de frayeur et de remords aussi. Mais pourquoi pleures-tu? Est-ce que tu as mal? Est-ce que le chat t'a griffé? Voyons, dis-nous pourquoi tu pleures. C'est à cause de Lélé, à cause de Lélé. C'est parce qu'elle voit que vous avez les pieds mouillés. Elle a sûrement peur que vous n'attrapiez un rhume. Elle pensait que vous alliez vous asseoir devant le fourneau pour sécher vos chaussons. Justement, elle avait préparé les chaises. Nous en avons vu bien d'autres. Ce n'est pas la première fois que l'eau entre dans nos sabots et nous n'avons jamais eu un rhume. Ce que j'en dis est pour tranquilliser Marinette. Surtout qu'elle est un peu inquiète de la santé de l'oncle Alfred. Mais l'oncle Alfred va très bien. Il ne s'est jamais aussi bien porté, rassurez-vous. Dans 5 minutes, vous aurez des détails, on vous racontera. Delphine ne trouva plus rien à dire. En souriant à Marinette, les parents firent un pas vers la chambre, mais le chat, qui se trouvait caché sous le fourneau, mit sa queue dans le cendrier et l'agita si furieusement qu'en passant auprès de lui, un nuage de fines cendres leur monta au nez et les fit gerber à plusieurs reprises. Vous voyez bien, il n'y a pas une minute à perdre. Il faut vous chauffer les pieds. Venez vite vous asseoir. Un peu confus, ils durent avouer que Marinette avait eu raison et allèrent s'asseoir sur les chaises. Les pieds sur la plaque du fourneau, ils regardaient fumer leurs chaussons et bâillaient presque sans arrêt, fatigués par la longue marche qu'ils venaient de faire sous la pluie, dans les chemins défoncés. Et ils semblaient prêts à s'endormir. Et les petites n'osaient plus respirer. Tout à coup, ils sursautèrent. On entendait comme le bruit d'un pas lourd. La vaisselle en tremblait dans le buffet. Mais on marche dans la maison. On dirait même... Ce n'est rien. C'est le chat qui court après les souris au grenier. Déjà cet après-midi, il a fait le même bruit. Ce n'est pas possible. Tu t'es sûrement trompé. Comment veux-tu que le chat fasse trembler le buffet? Mais non, c'est lui-même qui me l'a dit tout à l'heure. Ah, eh bien, je n'aurais jamais cru qu'un chat pouvait faire autant de bruit. Mais puisqu'il te l'a dit, eh bien, c'est bon. Ah, cette fois, vous ne me direz pas que c'est le chat. On croirait que la maison va s'écrouler. Ils se disposaient à quitter leur chaise pour aller voir d'où provenait le bruit de ces pas énormes qui faisaient danser le fourneau. Alors, le chat sortit de sa cachette, s'étira des 4 pattes comme s'il venait de s'éveiller et déclara d'une voix furieuse. C'est tout de même malheureux qu'on ne puisse même plus dormir tranquillement. Je ne sais pas ce qu'elle chevale depuis ce matin, mais à chaque instant, il donne des coups de pied dans le mur et dans les bas-flancs. J'avais cru qu'à la cuisine, je n'entendrais plus ce vacarme, mais c'est encore pire qu'au grenier. Je me demande ce que peut avoir le cheval à s'agiter si fort. Oui, en effet. Il faut que cette bête soit malade ou qu'elle ait une contrariété. J'irai voir tout à l'heure. Les parents jetèrent un coup d'œil par la fenêtre et poussèrent un cri d'étonnement à la vue du cheval qui se promenait dans la cour.
Ah, par exemple, voilà le cheval qui se promène. Il a si bien fait qu'il a réussi à se détacher et qu'il est venu prendre l'air dans la cour. Oh, bah, ma foi, c'est tant mieux pour lui. Il sera plus calme tout à l'heure et au moins, nous ne l'entendrons plus ruer dans l'écurie. Au même instant, les pas se firent entendre de nouveau, mais encore plus lourds que les précédents. Les planchers craquaient, la maison gémissait du haut en bas, la table se dressa sur deux pieds et les parents se sentirent vaciller sur leurs chaises. Pour le coup, ça ne peut être le cheval, puisqu'il est encore dans la cour. Hein, n'est-ce pas, chat? Ça ne peut être le cheval. Bien sûr, bien sûr. Il faut que ce soit les bœufs qui s'impatientent dans l'étable. Oh, qu'est-ce que tu racontes, chat? On n'a jamais vu des bœufs s'impatienter d'être hors repos. Alors c'est le mouton qui aura cherché querelle à la vache. Le mouton cherchait une querelle? Nous sentons là-dessous quelque chose qui n'est pas clair. Les petites se mirent à trembler si fort que les deux têtes blondes en étaient toutes secouées. Ce qui fit croire aux parents qu'elles se défendaient de leur avoir désobéi. Le père se mit à grommeler avec peut-être un reste de soupçon. Ah bon? Parce que si vous aviez laissé entrer quelqu'un dans la maison... Ah, si vous aviez laissé entrer quelqu'un, petite malheureuse, il vaudrait mieux pour vous... Il vaudrait mieux je ne sais quoi. Delphine et Marinette n'osaient même pas regarder les parents qui fronçaient les sourcils avec un air terrible. Le chat lui-même était effrayé et ne savait plus quelle contenance prendre. Ce qui est certain, c'est que ce bruit de pas semblait tout proche. Il ne venait sûrement pas de l'écurie. On aurait plutôt dit qu'on marchait dans la chambre à côté. Oui, 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 dans la chambre. Oh, d'ailleurs, nous allons bien voir. Leurs chaussons étaient tout à fait secs. Sans quitter du regard la porte de la chambre, ils se levèrent de leur chaise. Derrière eux, Delphine et Marinette s'étaient donné la main. Et à mesure qu'ils avançaient, elles se serraient l'une contre l'autre. Le chat frottait son poil sur leurs mollets pour leur montrer qu'il restait un ami et les encourager un peu. Mais c'était affreux quand même. Elles croyaient que leur cœur allait éclater. Les parents, l'oreille collée contre la porte, écoutaient d'un air méfiant. Enfin, la poignée tourna, la porte s'ouvrit en grinçant et il y eut un instant de silence. Delphine et Marinette, qui tremblaient de tous leurs membres, jetèrent un coup d'œil vers la chambre. Alors, elles virent une petite poule blanche se glisser furtivement entre les jambes des parents et traverser sans bruit la cuisine pour aller se blottir sous l'horloge.